à tous et à toutes et bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle balade. Donc là je suis au bord du lac d'Estaing dans le Val d'Azun et je vais me rendre soit au lac Barbat soit au col d'Idéou. Je sais pas trop encore parce que vendredi il a neigé un petit peu, je sais pas du tout la quantité de neige que je vais trouver. Donc on va se diriger vers le lac Barbat et on verra bien en haut comment est la neige et ce qu'on fera, si on continue sur le col des Houes ou pas. Allez, c'est parti après le générique. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée de balade. Ici on a le lac d'Estaing. Voilà, on arrive à la petite cabane de l'Argoussec. Après être monté par le bois, une courte mais assez raide montée par le bois. On sort de la forêt, on arrive sur la cabane de l'Argoussec. Et on va continuer dans le vallon là, qui se trouve derrière.
On dirait qu'il y a un petit peu de neige, peut-être pas trop. Donc on continue. Bon, a priori, il y a l'air d'avoir pas mal de neige en direction du col d'Iléhou. Donc je pense que ça va être loupé pour le col d'Iléhou aujourd'hui. Et peut-être on va essayer de monter au lac Barbat qui se trouve là-bas. Je pense que lui, il doit être faisable. Je pense que je dois pouvoir y monter. Mais par contre, le lac d'Iléhou, le col d'Iléhou, pardon, je pense que ça va être loupé pour aujourd'hui. Allez, on verra bien quand on sera dans la neige, la quantité. Allez, on continue de suivre les marques blanches et rouges, puisqu'il s'agit, on est sur le GR10 qui fait la traversée des Pyrénées, et là c'est l'étape qui mène du lac d'Estaing au lac d'Iléhou. Donc on continue à suivre ces traces pendant un petit moment, et ensuite je vais sûrement bifurquer pour aller en direction du lac Barbat si c'est possible. Voilà, on arrive sur la neige. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais me diriger vers le lac Barbat. Et on reviendra une autre fois pour faire le col d'Iléhou. Allez. Thank you.
Allez. La cabane est à 200 mètres apparemment. La cabane Barbat. Et le lac Barbat à 15 minutes. Allez, on y est presque. Arrive aux cabanes, donc apparemment il y en a deux, il y en a une ici. Et une autre en tôle au-dessus, ici. Et le lac doit se trouver juste là derrière, je pense. Et voilà, arrivé au lac Barbat. Sous la neige est complètement gelé. Voilà, un dernier petit coup d'œil au lac Barbat. Petit lac bien encaissé là, près de tous ces grands pics. Et là, on va redescendre tranquillement. Thank you.
Bon. Ben, celle-ci elle est fermée à clé. On ne peut pas y rentrer. Ouais, mais... Non. Elle est fermée. Allez, on va continuer à descendre. Tranquillement. On les récupère au chemin là-bas. Pour redescendre tout ça. Jusqu'à la forêt qui est en bas. Le lac est tout à fait en haut là. Ici en haut. Thank you.
Et on poursuit la descente. On va aller rejoindre la cabane d'Ariusek qui est en bas là. Et on va rentrer dans la forêt pour aller rejoindre le lac d'Estaing. Et voilà, on rejoint le lac d'Estaing, où on est parti ce matin. Donc il me reste un petit cheveu, encore le chemin là qu'on voit en bas, à reprendre pour longer tout le lac et revenir au véhicule. Et bien, c'est sur ces dernières images que l'on va se quitter. J'espère que la randonnée vous a plu. Pour cela, mettez un petit pouce bleu et laissez-moi des commentaires. Pour ma part, ça a été une belle journée avec un peu de neige en haut, mais il n'y avait pas besoin des raquettes. Du coup, je les ai promenées un petit peu pour rien. Et puis en redescendant, cette belle rencontre avec ces bouquetins, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye.